ce cours d'histoire des sciences, l'idée c'est la suivante. Je vais vous parler essentiellement d'histoire de l'optique, comme je vous l'avais déjà indiqué. Et c'est un prétexte. C'est un prétexte pour faire vraiment de l'histoire des sciences de manière un peu plus générale. Et l'idée c'est pas seulement de vous parler d'optique. D'ailleurs, on en parlera forcément, mais ça ne sera pas toujours le sujet central. L'idée, c'est vraiment essayer de vous dire des choses que peut-être vous ne savez pas, des choses intéressantes sur ce que c'est que l'histoire des sciences. Pourquoi en faire? Comment en faire? Qui en fait? En s'appuyant sur différents types de documents. Donc, ça sera à la fois une partie d'histoire, c'est de l'histoire des sciences, donc une partie qui s'appuie sur des documents, écrits le plus souvent. C'est aussi quelque chose qui est lié à la science, donc c'est essayer de comprendre les enchaînements des idées et tout ça. C'est un cours que j'ai déjà donné. Ce cours d'option, là, il avait pas ouvert l'an dernier, parce qu'il y avait peu de gens qui s'étaient inscrits. L'année d'avant, il avait ouvert, et c'était séparé essentiellement en une partie sur l'histoire de la physique, une partie sur l'histoire de la chimie. Voilà. Et l'année encore d'avant, c'était séparé en trois. Il y avait une partie de maths, de physique et de chimie, chacun faisait un petit peu son truc. Et là, ce qu'on s'est dit, ce que je me suis dit, c'est que ça serait peut-être plus intéressant de faire l'expérience suivante, se concentrer sur une matière, par exemple la physique, et vraiment aller à fond. C'est-à-dire éviter de faire des choses un peu superficielles. C'est le risque parfois qu'on a quand on fait l'histoire des sciences, c'est qu'on n'a pas trop le temps, donc on le fait de manière assez superficielle, et on ne tombe pas finalement dans les points qui sont vraiment, vraiment intéressants là-dedans. L'intérêt de l'histoire des sciences, vous allez voir, j'espère que vous convaincre, c'est vraiment dans les détails. C'est d'aller voir vraiment les concepts, les gens, leur vie, pourquoi ça s'est enchaîné comme ça, etc. Et vous allez voir, ça peut vite devenir vraiment passionnant, quoi. C'est un truc, quand on met le doigt dans l'engrenage, on peut vraiment, vraiment facilement être pris et avoir envie vraiment d'en savoir plus et d'aller plus loin. Vous allez voir que l'histoire des sciences, c'est une fractale. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une fractale. C'est une courbe, on peut aller zoomer dessus et ça ressemble, enfin, ça a toujours la même complexité, quoi. C'est vraiment ça, l'histoire des sciences, et c'est vraiment ça que je voudrais passer comme message et qu'à la fin de ce cours, à la fin du semestre, vous ayez cette impression. Cette image de fractal, j'aime bien parce que ça résume aussi la manière dont ça va se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais dire des choses très générales sur l'histoire des sciences, quoi, pourquoi, comment. Voilà. C'est vous donner un peu l'idée de ce qui va se passer. Il y aura ensuite une partie où je vais vous faire un panorama sur les 4 siècles passés, de 1600 à aujourd'hui. Voilà, l'histoire des sciences, l'histoire de l'optique, qu'est-ce que c'est, vous donner les grandes dates, mais de façon superficielle, juste pour vous donner une trame. Imaginez un peu un tableau, quelqu'un qui veut un tableau, au début il met les quelques éléments comme ça qui vont lui servir pour faire le tableau. C'est ça que je veux faire aujourd'hui. Et si j'ai le temps, je commencerai par mettre une petite touche plus précise à un endroit et je vous parlerai de Kepler. Kepler, ça commence, l'histoire de Kepler que je vais vous raconter commence en 1600, donc c'est vraiment au début de la période que ça m'intéresse, qui m'intéresse ici. Et dans la suite du cours, la partie en tout cas où je vais parler, où je vais vous montrer des choses, la partie cours magistrale on va dire, ça va être ça, je vais essayer d'apporter des touches, pas seulement des gens, donc aujourd'hui ça va être Kepler, mais ça sera aussi des sujets. Je vous parlerai par exemple de l'histoire de la lumière, qui part effectivement de 1600 jusqu'à aujourd'hui, et vous donner les événements marquants de ça. Puis de temps en temps, je vous parlerai d'un savant, et puis tiens, qu'est-ce qu'il a fait lui? Et voilà, l'idée c'est vraiment ça, de mêler un petit peu les échelles. Certaines histoires qui se déroulent sur 200, 300 ans, certaines qui se déroulent sur 10 ans. Que vous voyez aussi les différences d'approche qu'on peut trouver quand on fait l'histoire des sciences. L'histoire des sciences, il y a des gens qui s'intéressent en gros à 2 années de la vie d'un gars et ils passent toute leur vie, ils font des thèses de 800 pages sur ça. Voilà. D'autres qui vont faire des thèses de 800 pages sur toute une période ou sur tout un domaine. Donc, la première partie de ce qu'on va faire aujourd'hui, voilà, ça va être des généralités. Qu'est-ce que pour moi c'est l'histoire des sciences? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire dessus et pourquoi j'ai envie de vous en parler? Pour ça, je vais commencer par juste quelques citations. Et dans un monde parfait, je vais ouvrir mon sac et il va y avoir des photocopies que j'ai faites exprès pour vous. Le truc, c'est que je ne me rappelle absolument pas les avoir mises, ni les avoir enlevées. Mais dans un monde parfait, j'ai fait ça à un moment où j'étais lucide. Nous vivons dans un monde parfait. Donc les deux textes qui sont ici... sur les deux colonnes au tableau, et donc ce sont les deux premiers textes que vous avez sur la feuille sous les yeux là. C'est tiré des deux ouvrages qui sont ici. Ce livre là, Kuhn, La structure des évolutions scientifiques, c'est un très très grand classique de la philosophie et de l'histoire des sciences.
Ça, et ça, c'est un ensemble, un recueil d'articles de tout un tas de gens sur beaucoup de sujets qui ont lieu, contraire à l'histoire des sciences, qui est vraiment, vraiment très, très intéressant. Je vous avoue que je n'ai pas regardé si celui-là était à la bibliothèque. Celui-là, c'est absolument sûr que oui, c'est vraiment un grand, grand, grand classique. On va le lire ensemble, on va lire ensemble les deux premiers textes. Ceux d'en dessous, là, par contre, on est passé un peu sur la diapo d'après, mais... Donc, dans cet ouvrage sur les philosophes et la science, alors, n'ayez pas peur du mot philosophe, il s'agit ici d'histoire des sciences dont il est en train de parler. Donc, il dit, dans cette introduction, c'est Pierre Wagner qui dit ça, « Pour certains, la science est l'état d'un sujet connaissant en étant... » En fait, c'est plié, c'est pour ça. Je vais le dire là. « Pour certains, la science est l'état d'un sujet connaissant en tant qu'il possède un certain savoir. » C'est un philosophe qui parle quand même, donc on ne comprend pas forcément tout à la première lecture, mais enfin, il suffit de lire calmement. Mais en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner différentes définitions qu'on trouve couramment de la science. Si on demande à des gens qu'est-ce que c'est que la science, les gens vont répondre des choses différentes. Et il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, voilà, la science, c'est le fait de savoir. Sors pas ta science, donc tu as de la science, tu en as, tu as quelque chose en toi qui est un savoir, garde-le pour toi, c'est dans ce sens-là. D'autres, pour d'autres gens, d'autres la considèrent comme une activité pratiquée par des groupes de chercheurs ou une collectivité savante. Moi, je vais plutôt vous répondre ça. Si vous me demandez ce que c'est que la science, moi, je vais vous dire, c'est un tas de gens. La science, c'est tout un tas de gens, des organisations, la fac, les laboratoires, des savants qui interagissent et qui forment ensemble, qui arrivent à sortir quelque chose, plus de connaissances, ou de connaissances différentes. Voilà. D'autres encore la regardent comme un système d'énoncés qui exprime des propositions vraies. Certains vont vous dire... C'est la recherche de la vérité, et c'est... Voilà, par exemple, si on vous dit la lumière se propage en ligne droite, pour rester dans le sujet qui va nous intéresser, voilà. Ça, c'est un énoncé. Je ne sais pas, si, a priori, s'il est vrai ou pas. Là, pour l'instant, ce n'est pas mon problème. Mais il y a des gens qui considèrent que c'est un énoncé vrai, ça décrirait la réalité. La lumière se propage en ligne droite, ben voilà, ça, c'est un bout de la science. Et la science, ça serait tout un tas de propositions, comme ça, mises bout à bout, et qui permettent de dire des choses sur le monde qui nous entoure. Vous voyez, il y a une subtilité, hein. Les trois définitions là ne disent pas la même chose, hein. Elles ne sont pas non plus complètement indépendantes, mais voilà, quelqu'un qui va vous parler de science, il ne va pas vous dire du tout la même chose s'il prend la première, la deuxième ou la troisième des définitions. Et enfin, elle est décrite comme une méthode de recherche pour la production de connaissances. Ça, oui, je ne sais pas si vous avez étudié Descartes quand vous étiez au lycée, mais voilà, c'est la méthode scientifique. D'ailleurs, il y en a plusieurs, hein, des méthodes scientifiques, mais souvent, ce qu'on entend par la méthode scientifique, c'est faire des hypothèses et les vérifier avec des expériences. Voilà. Ou à partir d'expériences, essayer de tirer des hypothèses, enfin, un jeu entre eux, comme ça, des hypothèses, des situations expérimentales. L'histoire des sciences, donc la première difficulté, c'est qu'on est obligé de considérer ces quatre aspects-là de la science. Si on veut comprendre quelque chose, si on veut comprendre ce qui se passe, comprendre comment est-ce que les savoirs se forment, on est obligé de considérer tout ça. C'est des gens, c'est des énoncés, c'est la notion de vérité, qu'est-ce qu'on considère vrai ou pas, ça a changé au fil des âges, et si on ne comprend pas ça, on n'a aucune chance de comprendre absolument la manière dont les gens ont travaillé au fil des âges. Si on se met maintenant, si on prend maintenant un tas de chercheurs scientifiques, par exemple en optique, pour rester dans le sujet, et qu'on les envoie dans le passé en 1600, au temps de l'époque de Galilée, ça ne va pas bien se passer pour eux. Hein. Ils ne sont pas plus forts, enfin... Ils n'ont pas besoin d'être plus forts, ils ont le même cerveau que les autres d'avant, ils sont tout aussi intelligents, ils vont être dans un contexte complètement différent, les gens vont absolument rien comprendre à ce qu'ils racontent, à leur méthode, et le gars aura beau dire « Non, mais si, attendez, on va faire des expériences, et puis on va vérifier que c'est conforme à la réalité. » Il y en a qui vont se dire « Ah ouais, c'est pas con. » Ils vont se dire « Mais il délire complètement ce gars, quoi. Hein » On en parlera un petit peu tout à l'heure, hein, mais au début de l'époque qu'on va aborder, là, les années 1600, avant cette époque-là, la science, c'était plutôt d'aller chercher dans les livres anciens, aller lire Aristote, ou retrouver les écrits perdus d'Aristote. Vous avez lu ou vu peut-être Le Nom de la Rose, c'est un film qui est au Moyen-Âge, hein, donc il y a une enquête sur un meurtre au Moyen-Âge, mais c'est surtout sur... ça parle beaucoup justement de vérité, chercher la vérité ou pas dans les livres d'Aristote, etc. Je vous conseille, en tout cas, le livre est vraiment très très bien, c'est Umberto Eco, le film était pas mal aussi. Deuxième citation ici, elle est écrite en plus petite ici, donc vous ne la voyez peut-être pas, mais vous l'avez sous les yeux, donc cette fois-ci c'est cool qu'il dit ça. Là, cette fois-ci, il parle de l'histoire. Là-bas, c'était la science, maintenant l'histoire.
L'histoire, si on la considérait comme autre chose que des anecdotes ou des dates, pourrait transformer de façon décisive l'image de la science dont nous sommes actuellement empreints. Cette image a été tirée en grande partie, même par les scientifiques, de l'étude des découvertes scientifiques, telles qu'elles sont rapportées dans les classiques, et plus récemment dans les manuels, où chaque nouvelle génération scientifique apprend la pratique de son métier. Je m'arrête ici, là, déjà, dans la citation. Ça, je ne sais pas à quel point vous le réalisez. Moi, en tant qu'enseignant, je suis vraiment très sensible à ça, ce qui vient d'être dit et lu là. Chaque génération scientifique apprend l'histoire dans les bouquins, dans les manuels de ses prédécesseurs. Et effectivement, moi, à l'école, quand j'ai suivi mes études, l'histoire des sciences, j'en ai fait en sciences. C'est-à-dire que l'histoire de la physique, c'était en physique de temps en temps. Le prof, il donnait une anecdote, c'était intéressant, on apprenait quelque chose, mais c'était dans le cadre d'un enseignement donné. Voilà. Moi, je ne sais pas vous, moi, je n'ai pas fait d'histoire des sciences. Hein. D'ailleurs, tiens, je peux vous poser la question, qui a déjà suivi un module avant de l'histoire des sciences? Il y en a qui sont posés en L1, ouais. Oui, qui? Quelques personnes, hein. Okay. Alors, je reprends le fil ici. Il est cependant inévitable que le but de tel livre soit de persuader et d'instruire. Le concept de science qu'on en tirerait n'a pas plus de chance de refléter la recherche qui leur a donné naissance que n'en aurait l'image d'une culture nationale tirée d'un prospectus de tourisme ou d'un manuel de langue. C'est fort là, il y va. Hein. Cet essai se propose de montrer qu'ils nous ont égarés sur des points fondamentaux et d'esquisser de la science la conception toute différente qui se dégage du compte-rendu historique de l'activité de recherche elle-même. La dernière phrase, vous n'avez rien compris parce que je l'ai dit trop vite, c'est normal, vous la relirez au calme. Mais donc, ce qu'il veut dire ici, c'est que, voilà, ce qu'on trouve dans les livres de physique, par exemple, sur l'histoire de la physique, les gens, en général, ne sont pas des historiens. Et ce n'est pas une question de capacité, hein, ce n'est pas qu'ils sont nuls et ils font l'histoire, c'est juste leur but, en général, ce n'est pas de faire de l'histoire. Le but de quelqu'un qui vous raconte une anecdote en physique, en général, c'est de faire de la physique. Le point de vue est différent, et ça, on en arrive, des fois, à des contresens totaux. Mais vraiment, on verra, là, quand je vous parlerai de Kepler... Un truc qu'on vous dit tout le temps, même probablement je vous l'ai dit en cours de physique 112, par exemple je vous ai dit à un moment, voilà, Kepler, il avait commencé à esquisser la loi de la réfraction, il avait dit que I, l'angle d'incidence, est proportionnel à R, l'angle de réfraction. I est égal à N, l'indice, fois R. À la place de la loi des sinus, en fait, il avait enlevé les sinus. C'est pas du tout ça qu'il a fait, en fait. Il se trouve qu'il a écrit à un moment quelque chose de ce que je viens de dire, il l'a utilisé. Et ce n'était pas ce qu'il considérait comme la loi de la réfraction. Il avait des raisons très précises d'écrire ça. Il a fait beaucoup de précautions qu'il a énoncées. Voilà. Ces précautions ont été assez vite oubliées par les gens qui ont utilisé ça. Et effectivement, vous trouvez partout, la loi de Kepler, I égale à N fois R. Voilà, Kepler, bon, il était bien gentil, mais bon, il vivait dans un temps reculé, on ne savait pas tout. Voilà, il est arrivé à la moitié du chemin. Non, ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. Des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup et je vous en montrerai. Ce cours-là, je vous montrerai des erreurs, beaucoup. J'essaye de les détecter au maximum. Je vais voir, à chaque fois que je prépare ça et que je vois une notion, je vais voir sur Wikipédia. Souvent, c'est correct. Des fois, on voit des trucs, mais gros comme ça, des erreurs comme ça, et qui sont effectivement répétées génération en génération. Et un truc que je trouve intéressant dans ce cours, c'est justement d'aller voir ces erreurs, pourquoi elles ont été faites, et qu'est-ce qu'il faudrait plutôt dire de façon plus claire. Là, on ne va pas tout lire, mais il y a quelques points qui m'intéressent là-dedans aussi. C'est tiré d'un article de American Journal of Physics, là-haut. La référence est ici. Et là, c'est sur l'histoire de la mesure de la vitesse de la lumière par Rohmer. Ça, on y viendra vraiment en détail. Je ferai un cours sur la vitesse de la lumière spécifique à ça, donc on aura l'occasion de revenir sur le détail de ça. Mais comme c'est un article qui parle d'histoire des sciences, bah, le gars, lui, il est vraiment allé voir ce que c'est que l'histoire des sciences et tout. Il est allé prendre quelques citations à droite, à gauche. Donc je vous montre du coup là, l'article, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez pas le titre là au moins. Est-ce que je peux descendre le truc? Probablement pas, c'est pas grave, le titre m'intéresse pas trop. Voilà les premières citations. Alors la première citation, History is bunk. Donc en gros, c'est faut pacifier quoi, l'histoire c'est du bluff. Enfin, je vais dire ça de différentes manières, mais voilà. Une citation assez forte, se méfier de l'histoire. Je reviendrai sur ça, faut se méfier de l'histoire. Pas seulement l'histoire des sciences, d'ailleurs. L'histoire, c'est difficile à faire, on dit facilement des choses fausses ou ce qu'on a envie de faire dire aux événements. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la deuxième ici. Alors, je vais essayer de vous la traduire en même temps. Donc, les gens qui prônent la méthode logique pourraient dire, de manière justifiée, ils auraient raison, que les étudiants seraient tout aussi compétents en faisant et en appliquant de la science
si on leur disait que Darwin avait écrit F égale à MA en 213 avant Jésus-Christ, ou que Boyle avait le premier déterminé la vitesse de la lumière en 1947. Donc pourquoi s'embêter avec tout ça? Et ce qu'il écrit là, c'est vrai. En fait, le fait que F est égal à MA, quand on vous écrivait ça en cours, vous fichez royalement de qui, quand, comment ça a été découvert. D'accord, c'est pas ça la question. Il semble qu'effectivement le monde soit assez bien décrit par F égale à MA. Point, une fois qu'on l'a écrit, à la limite ça aurait été découvert l'année dernière, vos profs le savent et vous l'enseignent, c'est tout aussi, c'est a priori tout aussi valable et vous auriez eu le même cours. D'accord. Donc l'intérêt, en fait, ça pose la question de l'intérêt. Pourquoi? Pourquoi se poser ces questions? Pourquoi se demander quand et comment ça s'est enchaîné? Je ne vais pas vous donner un élément de réponse, moi j'en ai plusieurs évidemment, sinon je ne ferai pas ce cours, mais je vous laisse y réfléchir sur ça, je vous laisse vous faire vous-même éventuellement votre propre opinion. Et l'autre truc que je voulais vous dire sur ça, non mais sur ça finalement je vais le passer, vous avez les textes sous les yeux, donc enfin vous pourrez les lire calmement, je vous invite vraiment à lire l'ensemble des deux textes là que je vous ai mis. C'est un petit peu long le texte en anglais, mais ça se lit pas mal et je trouve ça intéressant. Alors, la question du comment. Comment faire de l'histoire des sciences? Comment on fait de l'histoire des sciences? Alors, comment on? Alors, que les choses aussi soient très claires, moi je ne suis pas historien des sciences. Voilà, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma formation. Je pense avoir une sensibilité qui fait que j'arrive à voir certains des problèmes et certains des défauts. Donc voilà, ce que je vous présenterai, il y aura certainement des défauts aussi. Ceci dit, je me suis intéressé à ça de près, je suis en contact avec des historiens des sciences, je discute avec eux de ça précisément. Donc je ne vais pas vous dire que des bêtises non plus, mais voilà. Donc, les historiens des sciences, comment ils travaillent? Donc c'est de l'histoire pour commencer, il faut savoir ce qui s'est passé à un moment donné. Et pour ça, il n'y a pas tellement d'autres moyens pour l'histoire d'avant, on va dire, d'avant le siècle précédent, que d'aller voir dans les bouquins. Il n'y a pas d'autres traces de témoignages de ça. Ce qui reste de ce qui s'est passé il y a longtemps, c'est écrit quelque part. Mais si ce n'est pas écrit, c'est perdu. Ça peut avoir été dit à quelqu'un qui l'a dit à quelqu'un qui a fini par l'écrire, mais ça reste de l'écrit. Donc c'est vraiment une activité qui est basée sur l'écrit, sur la recherche de documents. C'est ce qu'on appelle la littérature primaire. Primaire, c'est-à-dire c'est vraiment les gens concernés qui ont écrit ce à quoi on s'intéresse. Si par exemple on s'intéresse à l'histoire de la vitesse de la lumière, voilà, Romère, on va voir le premier qui a mesuré la vitesse de la lumière, enfin, qui a vu que la lumière avait une vitesse finie, c'est Romère, et ben, il a écrit ça dans un livre. Voilà. Qu'est-ce qu'il écrit dans son livre exactement? Est-ce qu'il a... Donc ça c'est une source primaire. D'autres choses qu'il n'a pas écrites dans le livre, mais qu'il avait dans ses notes. Il avait des notes, des choses qu'il a choisi de mettre dans le livre, des choses qu'il a choisi de ne pas mettre dans le livre. Ben voilà, le métier d'historien des sciences, c'est d'aller voir ses notes, de comparer avec le livre, de voir ce qu'il a laissé de côté, et souvent c'est tout aussi intéressant pour l'historien de voir ce qu'il n'a pas mis. Il avait noté des choses, déduit des choses, il a décidé de ne pas le mettre dans le bouquin. C'est super important aussi. Ça permet de comprendre la démarche du gars, de comprendre des choses sur la science de l'époque et tout ça aussi. Donc ça, je vous en montrerai, hein, de la littérature primaire, des échanges épistolaires, donc effectivement les lettres. Hein, les gens, jusqu'à récemment, les gens échangeaient principalement par des courriers qu'ils envoyaient par la poste. C'est la préhistoire un peu pour vous, mais avant, c'était longtemps, c'était comme ça. Et puis des témoignages, voilà, des gens qui n'étaient pas, enfin, qui n'ont pas forcément participé directement à l'expérience ou au fait qu'on veut relater, mais je sais pas, moi, le voisin de Romère, par exemple, voilà, le voisin de Romère qui écrit à sa grand-mère, il y a mon voisin, là, il est dans son garage, il est en train de pointer un télescope dans le ciel, je sais pas ce qu'il fait, et voilà, il y a peut-être des informations là-dedans qui nous intéressent sur ce qu'a fait Romère, du coup. Donc ça, c'est une information. Alors, c'est une littérature, la littérature primaire, qui est en général difficile. On va le voir tout à l'heure quand je vous parlerai de Kepler. C'est difficile pour plein de raisons. Souvent, c'est dans une langue que vous ne comprenez pas, moi non plus, le latin. Bon. Ça peut être en allemand, ça peut être en italien. Même quand c'est en français, on le verra aussi, le français d'il y a quelques siècles, il faut s'accrocher. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer de lire des textes. Déjà, les S, c'est des F. Donc, on a tout l'impression de parler comme ça quand on lit un truc. C'est super pénible. Une fois qu'on a enlevé ça, il reste quand même la manière de s'exprimer, tout ça, c'est pas forcément bien. Et ensuite, la littérature secondaire, où là, ce sont les travaux d'historiens, des gens qui sont allés faire ce travail-là, parce que c'est leur métier, et qui ont fait une synthèse, qui ont fait une analyse des documents, et qui vous disent, ben voilà, dans tel bouquin, il y a ça, dans tel autre, il y a ça, voilà. Donc ça, c'est une source qui est précieuse quand on est, comme vous et moi,
un petit peu loin de ça, puis qu'on veut des informations sur l'histoire des sciences. Là, il commence à y avoir un premier problème avec ça. Il faut se méfier, parce que ça, c'est des gens qui ont fait un tri, qui sont allés voir plein de documents, qui en ont écarté certains, qui en ont gardé certains, qui ont interprété des choses écrites d'une certaine manière, et qui vous livrent leur interprétation. C'est jamais innocent, une interprétation. C'est jamais innocent. Vous avez toujours, quand on interprète quelque chose, on a une idée derrière la tête, on a des prérequis. C'est extrêmement difficile de se sortir de ces prérequis. Et donc, vous allez lire des fois... Alors, il y a des sujets sur lesquels c'est un peu anodin, d'autres sur lesquels ça a vraiment un grand intérêt. Alors, je vais m'appuyer sur un exemple d'histoire, vraiment. Mais si vous vous intéressez à la Révolution française, par exemple, vous pouvez lire des dizaines, je dis bien des dizaines d'histoires de la Révolution française qui vont vous dire des choses complètement différentes, avec les mêmes éléments en main, les mêmes dates. Machin, il a été décapité en telle année, puis voilà. Mais pourquoi ? Comment ça s'est enchaîné ? Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, ces gens ? Enfin, ce qu'ils avaient dans la tête, c'est pas très heureux comme expression, mais voilà. Ben, ça dépend. Ben, vous avez des analyses marxistes, par exemple, de la Révolution française. Vous avez des interprétations qui sont plus basées sur l'économie. Voilà, vous avez vraiment tout un tas de manières. C'est pareil pour l'histoire des sciences. C'est pareil, on va le voir. Un même événement peut être décrit de manière vraiment complètement différente par des gens qui ont des impressions différentes, qui veulent des fois faire passer un message différent. Et enfin, vous avez aussi de la littérature, je ne sais pas si le mot tertiaire existe, mais ça me semblait naturel de l'écrire ici, moi je vais l'appeler comme ça en tout cas, des livres qui sont rédigés par des gens qui ont lu ça. Voilà. Parce que ça peut être aussi un peu technique des fois. Hein. Donc si vous, ce qui vous intéresse, c'est juste savoir ce qui s'est passé, eh ben, vous allez lire ça, des sources tertiaires, donc des livres, Wikipédia, le cours d'ici, voilà, ça c'est des sources tertiaires. Donc je vous en ai mis ici un exemple, ça, j'en reviendrai sur ce bouquin, quand je ferai un chapitre sur l'histoire du laser. Mais je vous en montre un autre ici. Donc ça, c'est un livre sur Kepler, voilà un exemple de littérature tertiaire. Donc, c'est comme un roman, hein, voilà, il y a quelques figures, mais c'est du texte, c'est en français. C'est un journaliste, un scientifique qui a écrit ça, ça s'appelle Kepler, ça fait 300 pages. Et vous avez des choses sur la vie de Kepler, la science. Voilà. Donc ça, ce sont un journaliste et un scientifique qui écrivent ça. C'est pas un historien des sciences. Se sont intéressés à ça, mais ce n'est pas leur métier. Du coup, il faut se méfier. C'est intéressant, c'est riche, vraiment, c'est 300 pages, on ne s'ennuie pas, hein, il y a vraiment tout un tas de trucs, et vraiment, des fois, c'est des intrigues et tout, on est collé au livre, voilà. Mais ce n'est pas des historiens des sciences, il y a des choses où on peut effectivement ne pas être d'accord, ou se dire, tiens, c'est bizarre, j'ai lu le contraire. Là, il y a un avant-propos dans ce bouquin, en fait. Quand je lis l'avant-propos, j'ai failli ne pas lire le bouquin, en fait. La page 7 de l'ouvrage, qui est la troisième page du livre, la troisième page de l'avant-propos, je lis « En 1610, Galilée tourne là pour la première fois une lunette astronomique vers le ciel. » Alors, en fait, en 1610, Galilée tourne la première fois sa lunette vers le ciel. Quand je lis ça, je me dis « Oula, attention, on va le voir tout à l'heure, ou la prochaine fois, mais c'est pas Galilée qui a pointé la première fois la lunette dans le ciel, c'est pas lui, il y a d'autres gens qui l'ont fait avant. » Pourtant, la phrase qu'on lit là, vous la lisez partout. Vous la lisez vraiment partout. Donc, je me dis, tiens, là, il est en train de répéter un truc qui est écrit partout et que je sais, moi, par ailleurs, être faux. Donc, ça met un petit peu un doute sur l'ensemble du bouquin, du coup. Bon, il se trouve que l'avant-propos n'est pas écrit par les auteurs. Bon. Et du coup, en lisant le reste, en recoupant avec d'autres sources, j'étais vraiment très satisfait de ça. Et les bouquins ici, toutes les références des bouquins dont je vais parler sont sur le Moodle, ils y sont déjà. N'hésitez pas. Si vous avez un conseil, si vous avez envie d'en acheter un et que vous voulez un conseil sur est-ce qu'il est bien ou pas, n'hésitez pas à m'en parler. Il y en a probablement certains qui sont à la bibliothèque, on peut aussi probablement les faire acheter, hein. C'est pas un souci. Hein. Celui-là, il est vraiment, vraiment très intéressant, ça m'a bien pu le lire pour préparer ce cours. Alors j'ai mentionné là qu'il fallait croiser les sources, mais en fait, j'ai mis le mot journaliste ici, c'est pas par hasard, hein. Ça devient à un moment un travail de journalisme, ça, l'histoire des sciences. C'est-à-dire qu'on a des sources diverses qui sont plus ou moins fiables. Après, il faut arriver à se dire, ben, une information, un tel le dit, un tel le dit, un tel le dit aussi, ils sont trois à le dire, est-ce qu'ils le disent pour la même raison, est-ce qu'ils sont allés le chercher au même endroit, ça peut arriver, ben, si oui, il y a juste une, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais on n'est pas sûr, si les sources sont complètement indépendantes, là, on commence à se dire, ok, là, c'est du solide, effectivement, je commence à y croire. Ça, c'est un travail qui est fait quand on par les gens, l'historien qui lit ça, c'est fait par les journalistes qui lisent ça, et ça peut être fait du coup par vous aussi quand vous lisez ça. Donc, et c'est vraiment un travail super intéressant quand vous vous intéressez à un sujet donné, de prendre trois bouquins,
différents, de styles différents, d'auteurs différents, et de lire les trois bouquins en même temps, voilà, sur le même sujet. C'est en général assez édifiant. Quoi. Il y a des choses qui sont communes, d'autres pas du tout. Vous pouvez même trouver le contraire, tout et son contraire. Alors, les difficultés qu'on rencontre, qu'on va rencontrer et que rencontrent les gens qui font ça, d'abord, c'est la difficulté de la langue. Je vous ai dit qu'effectivement, plein de langues qui sont utilisées et qu'elles ne sont pas toutes forcément faciles à lire. Il faut croiser les informations, donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Évidemment, mais enfin, ça, je pense que vous le savez, mais je vais quand même le dire, c'est le problème de l'histoire. Le problème de l'histoire, c'est d'interpréter les éléments dans leur contexte historique. On ne peut pas faire d'anachronisme. On ne peut pas analyser un truc écrit en 1600 avec ce que nous, on a dans la tête aujourd'hui en 2014. Ça semble très évident, mais quand on essaye de le faire vraiment, c'est extrêmement difficile à faire. On le verra ça aussi, ne serait-ce que dans le vocabulaire. Mais je ne sais pas si on fait de l'optique, vous pensez peut-être voilà, rayon lumineux, réfraction, hein, c'est des mots qui peut-être n'existaient simplement pas à l'époque. Et si les mots n'existaient pas, ça veut dire que le concept probablement n'existait pas, ou il était trop confus pour qu'on lui ait donné un nom. Et donc tous les raisonnements que vous pouvez faire qui emploient ces mots-là, ils sont anachroniques. D'accord ? Il faudra s'en débarrasser. Et du coup, des fois, il faut arriver à penser des choses que vous savez, en oubliant que vous les savez, en se mettant à la place d'un gars qui ne les connaît pas, et arriver à savoir comment est-ce que cette personne arrive quand même à dire des choses intelligentes, à réfléchir. Et ça, c'est vraiment extrêmement difficile à faire, c'est aussi extrêmement intéressant. C'est à mon avis la principale difficulté de tout ça. Alors ensuite, bon, le contexte historique dont je parle ici, bah, il y a plein de volets différents, sociaux, politiques, religieux, artistiques, philosophiques, que vous pouvez en rajouter. En fait, voilà, c'est ça l'histoire. Hein. Je ne sais pas si l'histoire c'est un truc qui vous plaît. Moi, je n'aimais pas en fait à l'école, hein, vraiment, au lycée, au collège-lycée, je n'aimais pas l'histoire. Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à analyser pourquoi, mais je ne vais pas le faire ici, ce n'est pas le sujet. Bref. L'histoire. Aujourd'hui, l'histoire, je trouve ça fabuleux. Parce que justement, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce que ça voulait dire, ça mélange tout en fait. Tout a une importance et rien n'en a. C'est-à-dire qu'il se passe des choses, voilà, dans le monde il y a des événements, certains en enchaînent d'autres, etc. Et si on veut arriver à donner du sens à ce qui se passe, il faut avoir une vue vraiment, une vue large. Voilà. Si on veut comprendre le déclenchement d'une guerre, il faut comprendre les questions économiques derrière, des questions politiques. Parfois des questions religieuses, voilà, des choses où a priori, enfin moi en tout cas je connais rien, voilà, il faut arriver à les apprendre, les mettre ensemble et voir comment ça fait du sens pour expliquer des événements ou comprendre comment des événements s'enchaînent. Ça c'est vrai aussi en histoire des sciences, hein. Donc j'essaierai de mettre ça en avant quand ça s'y prêtera. Voilà. Alors là ça semble un peu lourd, hein. Je me parlais, ouais, on fait des grands trucs, volets sociaux, machin. Alors il n'y a pas que ça, et je tenais à mettre ça aussi, faut pas négliger l'importance de l'anecdote. Des fois il se passe des petits trucs, hein, des petits événements qui sont pas forcément liés au contexte, voilà, mais un hasard, il se passe un truc. Le gars il est là au bon moment, avec le bon truc dans la tête, et voilà, et il fait avancer, ou pas, ou il fait reculer, hein, mais voilà, il se passe quelque chose simplement par hasard. Ce que je vais appeler l'anecdote. Des fois, du coup, ça peut être un peu rigolo à raconter. Et j'espère vraiment que dans ce cours-là, on s'amusera aussi, hein, parce que c'est aussi ça. Ça peut être aussi un des buts. Et enfin, je suis là aussi moi. Enfin, je suis moi aussi là pour m'amuser. Et vous verrez qu'il y a des histoires des fois, mais c'est juste ça se tord de rire. Quoi. Alors, quand on dit ça, en général, après, on dit un truc et personne rigole. Je ne vais pas le faire tout de suite. Du coup, oui. Pour les difficultés, il y a le niveau de la langue, mais aussi au niveau de la mathématique. Par rapport aux symboles et tout, c'est d'accord. Une difficulté en plus. Alors, ça, on va voir que c'est pas tant une difficulté de ça que ça, précisément parce que c'est vraiment très tardivement que la science a été expliquée de manière mathématique. Expliquée, je veux dire, dans les livres, quoi. Et on va voir tout à l'heure, quand je parlerai de Kepler, les bouquins de Kepler, c'est du texte. Je vais vous montrer les bouquins, c'est du texte, du texte, du texte, du texte. Il n'y a pas une formule. Il y a des figures, de temps en temps. Il n'y a pas une formule, on trouvait certainement une ou deux, mais c'est des points qui font 500 pages. Voilà, c'est du texte. Donc, c'est encore plus difficile, parce que nous, on n'a pas l'habitude de ça. On associe les concepts aux symboles, puis après, on met les symboles ensemble, on met une formule, on est content. Voilà. C'est une solution de facilité, en fait. Pour vous, je pense que vous vous rendez compte aussi, des fois, voilà, vous faites des calculs un peu automatiquement, et on ne se pose pas toujours la question de ce que veut dire faire un calcul et quelles sont les quantités qu'on manipule. Bah, avec les textes anciens, cette difficulté est là. On est obligé tout le temps de vraiment savoir de quoi on parle précisément. Voilà. Et puis donc ça, c'est. Je tenais aussi à dire ça. L'histoire des sciences, c'est une histoire d'être humain. Il n'y aurait pas d'humain, il n'y aurait pas de gens pour essayer de comprendre le monde.
il y a beaucoup d'informations dans la phrase que je viens de dire là, parce que je vais l'enlever. Bon, bref, c'est une histoire humaine. Et les gens dont on va parler, c'est les mêmes que nous. Hein. C'était une histoire de... L'histoire va commencer il y a 400 ans pour nous. L'évolution des espèces, elle ne joue aucun rôle à cette échelle-là. Et on n'est pas plus intelligent que les gens d'il y a 400 ans. Pas du tout, du tout. On a le même cerveau en moyenne. Ces gens qui ont les mêmes capacités d'intelligence et de réflexion que nous. Donc, ils n'étaient pas plus bêtes, etc. Donc, il faut être aussi un petit peu prudent de se dire « Ouais, bon, bah, d'accord, là, il s'est trompé, mais c'est normal, c'était il y a 400 ans. » Non. Il y a 400 ans, la logique, enfin, les capacités logiques du cerveau étaient les mêmes. Peut-être qu'on n'avait pas appris la même logique, mais on est vraiment les mêmes. Donc, les erreurs, c'est ça aussi qui est intéressant, qui moi, m'intéresse en tout cas là-dedans, c'est que les erreurs que les gens ont faites dans le passé, c'est les erreurs qu'on va faire, nous aussi. On va faire, nous, en tant que scientifique, vous, en tant qu'élève. Ça, c'est aussi un truc de fou. Quand on voit les fautes, les erreurs, ce qu'on considère maintenant comme des erreurs historiques en science, c'est des trucs que moi, je vois dans les copies. Hein. Et c'est normal. Hein. Voilà, parce que des fois, on écrit des choses, on se dit, bon, allez, à l'instinct, je vais écrire ça, d'accord ? Ben, des fois, votre instinct se trompe. Il se trompe pour une raison X ou Y, mais cette raison, elle avait été aussi valable probablement dans le passé. Donc, des gens ont parfois formalisé des trucs faux, et ça correspond ça, à des choses qu'on a envie de penser naturellement. Donc, quand je dis que j'ai dit tout à l'heure, j'allais parler d'erreurs plusieurs fois, il y a différents types d'erreurs. Il y a les erreurs qu'on trouve dans les bouquins qui simplement transmettent des choses fausses, donc ça c'est juste une erreur. Et il y a les erreurs scientifiques, les choses fausses qui sont restées longtemps, que les gens ont cru. Et c'est aussi intéressant de savoir pourquoi. Où est-ce que ça s'ancre, ça, le fait que les gens le croyaient et n'en ont pas démordu. Voilà. Et donc le cours, ça j'ai dit un peu tout à l'heure, mais je le redis juste rapidement, il sera présenté de façon très non linéaire. Donc il y aura une présentation générale de la chronologie tout de suite après, là. Des exposés sur des thèmes différents, donc ça je ferai attention à vraiment, pendant une séance de 2 heures, de croiser des approches différentes, des choses très locales au point de vue temporel, tout à l'heure on verra Kepler, des choses très, très étendues, genre voilà, l'histoire du télescope, l'histoire de la vitesse de la lumière, etc. Et donc des exposés sur des époques ou des savants. Il y aura ces présentations de type cours magistral prochain maintenant. Vous aurez des notes de cours. Donc ça me prend un peu de temps, mais je vais essayer de les mettre à disposition au fur et à mesure. Des documents à lire de manière facultative. Je ne vais sûrement pas vous interroger sur ça ou quoi. Mais de temps en temps, je vous dirai, tiens, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et si ça vous intéresse aussi, allez-y. Et c'est un cours d'option. Vous aurez une bonne note. Enfin, voilà, quoi, vous aurez fait l'exposé. Je ne vais pas vous mettre une sale note si vous avez fait le boulot. Il y en aura qui ont des meilleures notes que d'autres, normal, mais voilà, vous aurez une bonne note, c'est pas ça ce qui m'intéresse ici. Donc, éclatez-vous si vous avez envie, posez des questions, lancez-vous dans le truc à fond, ou pas. Là, vous êtes vraiment complètement libre. Hein. Donc, moi, cette liberté, je vais en profiter de manière je vais vraiment en abuser, en fait, parce que moi, j'ai envie de me faire plaisir là-dedans. Donc, je vais faire des choses qui vont aller assez loin dans ce que j'ai envie d'explorer, en tout cas dans l'histoire des sciences. Donc il y a peut-être des moments où ça sera un peu trop creusé, des fois pas assez, mais justement c'est ça qui m'intéresse aussi, vous trouverez des trucs qui vous plaisent et d'autres non, d'accord ? Alors les limites à ce cours, donc, on va avoir en tout, en gros, une dizaine d'heures de cours de ce type-là, donc ça va être limité du point de vue thématique, je vais m'intéresser à l'histoire de la lumière, en faisant quelques débordements à droite à gauche, mais ça va être ça mon fil conducteur. Au niveau géographique, je m'intéresse essentiellement à l'Europe, donc on n'est pas les seuls au monde, hein. Il y a des sciences un peu partout dans le monde de manière différente, et c'est pas du mépris pour les autres continents ou quoi, c'est juste que j'ai pas le temps d'en faire plus, et puis bon, pour vous avouer, je connais plus ça que l'histoire des autres, mais si ça vous intéresse, hein, il y a vraiment d'autres trucs à creuser, l'histoire chinoise, l'histoire indienne, en Afrique aussi, et puis au niveau temporel, essentiellement ça va commencer en 1600 pour des raisons que je vais vous exposer tout à l'heure. Donc ça clôt la partie un petit peu descriptive de ce qui me motive pour faire ce cours. Je vais vous montrer maintenant, avant de passer à la partie suivante qui va vous montrer une frise générale de la trame générale de l'histoire de l'optique depuis 1600 à aujourd'hui, je vais vous présenter un document auquel vous pourrez aussi vous rapporter. C'est la frise. La frise avec une F majuscule. Donc sinon, la frise, elle est là. Alors, ça, là, c'est carrément invisible, mais c'est exprès, en fait. Donc, c'est fait avec Prezi aussi. Et l'idée de Prezi, c'est qu'on peut aller zoomer sur des bouts.
ça je passe rapidement parce que c'est pas ça dont je veux parler, mais voilà, essentiellement la frise elle a cette tête là. Donc nous on va commencer ça avec Kepler qui publie ses premiers travaux. Et voilà, un peu zoomé, voilà, c'est gradué comme ça, il se passe tout un tas de trucs, vous voyez les dates sur la gauche, les événements sur la droite, et ça va comme ça jusqu'à 2014. Et ce que j'ai essayé de faire aussi, donc ça c'est en cours, c'est sur la ligne verticale, sur la ligne horizontale du haut, de mettre des petits textes qui expliquent un petit peu plus précisément ce qui s'est passé. Ça tient lieu un petit peu de notes de cours pour certaines des choses que je vais dire. Voilà. J'ai aussi mis les dates des savants, de certains savants, bref, leur date de naissance, date de mort, ce qui peut aider. Voilà. Et vous avez aussi, du coup, à chaque fois, la biographie du gars dans le présime aussi, en allant zoomer là-dessus. Donc j'ai essayé de mettre là-dedans, du coup, beaucoup d'informations différentes. Donc vous pourrez vous y référer de temps en temps, si vous voulez. Si vous avez des choses que vous pensez pouvaient être ajoutées, vous pouvez tout à fait me le suggérer. Ça, c'est un truc qui est en train d'être amélioré.